La magie de la Coupe de France s'est emparée de Carpentier. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette magnifique enceinte pour la finale de la Coupe de France 2024. Montpellier face à Nantes-Rezé, un choc de titans entre deux formations qui courent toujours après ce trophée. C'est parti, le gros service déjà, c'est bien tenu. Tout de suite Mathis Hénault. Allez, on va jouer sur Lucas Martilla en 4. Ouais, bien pris par le bloc nantais. Les premiers points pour le NRMV. Chisoba, oh, l'énorme attaque du Brésilien. Passe au-dessus de Reichert. Reichert qu'on retrouvera cet été avec l'Allemagne au JO. Merci à tous les bénévoles aussi qui bossent d'arrache-pied pour le bon déroulé de cette compétition. Et pour l'instant, c'est réussi. Et ça aussi, c'est réussi. Chisoba, le point rageur. Variation au service. Bon, l'attaque au centre, bien suivi par Nico Le Goff, le colosse, le mur français. Et oui, on sait, hein, c'est un de ses points forts, meilleur bloqueur du championnat actuellement. Là, il avait tout lu. Il a sauté en même temps que le central adverse. Nico Le Goff au service. Bien tenu. La pipe, encore une fois, de Mathis Hénault. Superbe pipe. C'est une valeur sûre dans le jeu nantais. Retrouve à l'attaque, l'énorme contre, le deuxième consécutif. Et superbe bloc de François Huet encore, qui vient prendre la place de son passeur. Allez, le public nantais qui pousse. Demianenko, la feinte, Martilla derrière. Un gros bras en cache un autre. Ah, ça reste dans le filet. Et le premier set empoché par le NRMV qui démarre parfaitement sa finale, Cédric. Oui, un très bon premier set dominé du début à la fin. Oh là là là, là ça part fort pour les Montpellierains. Et ça va leur faire beaucoup de bien. Reichert. Ravcore, hein, qui aime bien jouer par le secteur central fixe pipe. C'est vraiment une de ses qualités. Il en manque un peu. Allez, le service du Finlandais. Ça va tomber dans le terrain et Nico Le Goff qui punit les Nantais. L'attaque au centre de François Huet. Bonne réception, hein, ça permet toujours de jouer par le centre. Ça fixe les contreurs adverses. Ouais, la qualité de passe, hein, de Chaboissant. Chaboissant qui trouve son compère. Chisoba, pas dans le bon timing. Palacios, ouais, pour l'instant les deux défenses sont bien en place, ça tient bien au contre. Et c'est Mathis Hénault qui a le dernier mot encore une fois. Et oui, deux points de suite pour Mathis qui conclut un superbe rallye. Ouais, la pression, pas de pression, hein, pour Mathis Hénault. Non, il a l'habitude d'avoir des responsabilités, que ce soit avec Nantes ou avec l'équipe de France des moins de 19, c'est le gros leader, donc ouais. Il a beaucoup de ballons, les ballons importants, il les a. Lopez au service. Il s'est bien décalé en 4, le bloc out, trouvé par Reichert. Allez, l'attaque au centre. Oh là 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 là, le Canadien commence à se réveiller. C'est ça. Demianenko. Après un contre, il vient d'enchaîner deux attaques gagnantes. Ah, là, il y a de la hauteur. Hein. Là, il y a du jump. Il y a du jump, de la vitesse, de la puissance. Anatole Chaboissant qui envoie Mathis Hénault. Et 2-0. Et 2-0 pour le NRMV. Ici, elle a le Carpentier, la foule est en délire. Et les Nantais, pour l'instant, livrent un match presque parfait, Cédric. C'est ça. Comme l'avait dit Loïc Lemarec, sur les bonnes réceptions, Mathis Hénault est très sollicité en pipe. On le voit encore sur cette balle de 7. Martilla. Superbe. Ouais, Massimino qui n'est pas dessus. Belle réception là, hein, de Montpellier. Sur un gros service. Ouais, l'attaque éclair de Martilla et Pachi pas dessus. Reichert. Oh là 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 là, la malice. L'intelligence de l'Allemand. Il avait essayé tout à l'heure de la mettre à gauche, cette fois-ci c'est à droite. Oh, la deuxième main d'Anatole Chaboissant.
qui écrase la balle au milieu du terrain. Voilà, chaud magnifique. Qui fait exploser le banc montpelliérain. Superbe et le public. Superbe défense. Derrière, une passe de Nico Le Goff en manchette arrière. Et Palacios qui conclut. Belle défense. Tissoba qui sort de sa boîte au meilleur des moments. Comme souvent cette année. Et pour donner peut-être une, c'est même sûr, une balle de match au NRMV. Et comme un symbole, c'est Tissoba qui se présente au service, le Brésilien. Gros serveur. Énorme service, cette tenue par Palacios. Reche. Et c'est fini. La libération. La Coupe de France remportée par le NRMV. Le premier titre de leur histoire. Incroyable Nantais. Ils l'ont fait. 3-0, 26-24. Tissoba décisif encore dans le money time. Au service, à l'attaque. Ouais, et comme les Neptunes de Nantes hier, on aura donc un doublé nantais en 2024. Incroyable! Quelle démonstration du NRMV! Nantes tient son premier trophée. Bah, Mathis, un énorme match de ta part, de votre part de l'équipe. Vous avez dominé Montpellier avec la manière. Un premier titre dans l'histoire du club. Raconte-moi, comment tu as vécu ce match? Bah, c'est des émotions très fortes, comme c'est le premier titre du club. On le voulait vraiment et ça s'est ressenti clairement sur le terrain cet après-midi. Voilà, 3-0 net et précis, c'est ce qu'on voulait. Tu es très jeune, mais on a l'impression qu'il n'y a pas du tout de pression justement sur tes épaules. Bah, c'est vrai que je ne mets pas la pression pour ces matchs-là parce que c'est pour ces moments qu'on vit, qu'on fait le sport, qu'on pratique le volley. Donc moi, je joue les matchs comme ça et c'est pour prendre du plaisir avant tout. Champion, la Coupe de France revient à Nantes, incroyable, la première de l'histoire, le premier titre de l'histoire du club, c'est complètement dingue. Superbe. Superbe victoire, c'est mérité. Eh ouais, le MVP de cette Coupe de France, le double MVP de Marmara Spike League, Tissoba. Et bien sûr, la Coupe, on la met en direction du public parce que sans eux, pas eu la même ambiance. C'est ça, belle communion.